là. C'est là. Ok. Welcome in Paris, man. Welcome in Paris, man. Arriver chez eux, ils s'en foutent des autres gens. S'il y a, je sais pas, s'il y a... Tu penses pour toi dans une grande ville. Tu penses juste pour toi. Personne pense pour les autres gens. Mais, comme je t'ai dit avant, les Parisiens sont pas... C'est pas toute la France. C'est un grand erreur qu'ils ont fait de penser que Paris c'est la France, c'est pas comme ça. En français ou en anglais, comme ça vous arrange. Hein. Il y avait le cliché du Parisien avec la baguette, les rayures et le béret qui va chercher le pain et fait « alors, Francine !» Mais maintenant, je crois que le cliché, c'est que les filles françaises sont des salopes. Non, c'est vrai, mais c'est un cliché. Pas toutes. Ouais. Pas toutes. On dit ça. Non, mais c'est un cliché, quoi. Pas moi. Qu'est-ce que je pense des Parisiens? On voit déjà beaucoup de misère. Moi, c'est ce qui me touche le plus à Paris. J'aime beaucoup cette ville, mais je trouve qu'il y a énormément de misère de gens dans la rue, par exemple. Et beaucoup plus qu'ailleurs, par exemple. Parce que beaucoup de gens viennent pour travailler à Paris, parce que Paris, Paris, Paris. Mais en fait, il y en a plein qui se retrouvent dans la rue et tout ça. Mais c'est-à-dire que moi je suis arrivée parce que il me semblait que c'était une ville où il y avait beaucoup de culture, beaucoup de théâtre, beaucoup de cinéma, beaucoup d'expositions, beaucoup de que toute la culture et l'art. Enfin, j'allais me plaire à Paris pour ça parce qu'il y a des choses tout le temps. C'est en activité tout le temps. Et moi, je venais pour étudier le théâtre. Alors, il y a 250 spectacles par soir à Paris. Et tous les grands metteurs en scène jouent à Paris. Et puis, étudier le théâtre à Paris, qui est une ville qui a une tradition et une histoire théâtrale. Et puis, chez moi, Paris, c'est l'autre bout du monde aussi. Ciao.